À partir du moment où nous avons vu que la neige est arrivée assez tôt et en abondance, on a commencé par dévier, et ça c'est une décision de TCO, les lignes de banlieue qui ne pouvaient plus arriver à destination. Et progressivement, c'est toutes les lignes qui ont été rapatriées au dépôt pour éviter que les bus restent immobilisés avec les voyageurs. C'est certain que c'est très pénalisant pour tout le monde, parce que vous savez, la rocade à l'heure actuelle est encore bouchée. Donc ce n'est pas que les transports en commun, c'est l'ensemble des moyens de transport qui aujourd'hui dépendent de la libération des voiries. Nous sommes en relation permanente avec la communauté urbaine et la préfecture, et au fur et à mesure que les axes seront dégagés, nous remettrons les lignes de bus au fur et à mesure.